Eh bien, salut les amis, c'est Oxy, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode, enfin pour l'épisode, pour une vidéo de découverte sur le jeu Inside. Donc c'est la deuxième vidéo du week-end à thème du 1er au 2 juin sur le thème des jeux d'horreur. Alors dans ce jeu, on se retrouve dans une usine désaffectée et en fait faut trouver la sortie tout simplement, sachant qu'il y a un esprit dans la grotte et enfin dans la grotte, dans l'usine. J'avais choisi un autre jeu avec une grotte, je l'ai terminé en 3 secondes et c'était complètement pourri. Donc du coup j'ai retéléchargé un autre jeu et donc bah on est parti. Alors, il fait relativement sombre. Ah voilà. Donc on a une lampe torche. Alors j'avais regardé vite fait, oui c'est très glauque, hein. Voilà, donc j'étais parti dans ce couloir et c'est tout ce que j'ai fait. Voilà, j'étais pas allé plus loin que ce couloir. Ça me faisait relativement stresser, je ne sais pas du tout ce qui nous attend dans cet endroit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon mec respire comme ça? Je suppose qu'il faut fouiller tout l'endroit. Avec un monstre qui nous poursuit, la personne sur le... Ah! Putain, excusez-moi. Je viens de me faire caca dessus. Une fois de plus. Alors attendez. Pensais qu'il faut aller dans ce truc rouge. Je pense plutôt qu'on va mourir si on le traverse. Ouais, on prend le risque. Putain! L'enfoiré! Allez. C'est bon, arrête de respirer comme ça tu me fais encore plus stresser. Voilà. Ah non, il y a du sang par terre, je sens pas du tout. Bon. On va suivre les traces de sang. D'accord, ça amène vers une porte, ça n'annonce rien de bon. Attention, il va y avoir le monstre! Non, même pas. C'est un petit. Ah putain, je le sens bien là dans le coin ou un truc connerie comme ça. J'espère que vous avez bien eu peur comme moi. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, jusqu'à trop. Ah putain! C'est pas possible ce truc! Arrête de souffler comme ça, toi! Arrête ça! Je vous jure. Allez, il va être là. Non. En plus, il y a un espèce de bruit à chaque fois qu'on le voit, c'est tout! Et c'est trop relou. Bah, de toute façon, vous en êtes rendu compte, boss. Voilà, j'aime pas ce couloir. Je le sens très mal. Mais en fait, c'est juste un screamer. J'ai pas l'impression qu'il veut nous tuer, le monstre. C'est empty. Ok. Ouais. Bon, du coup, je suis censé aller où, moi? Ça. What the fuck? C'est quoi? Est-ce que je peux passer? Oui. Ok, l'escalier continue de monter en fait. On va les laisser tranquilles et. Vous allez pas me dire qu'ils vont dessus. Qu'ils vont. Non, c'était juste histoire de me mettre un gros coup de pression. L'escalier monte encore. Bon, on va explorer. Explorer. Non! J'aime. Oh, c'est super glauque! Est-ce que vous pensez qu'on peut se faire tuer? C'est un petit. Ok, tous les cartons sont vides. Oh non, sa mère! Non, il se lève! Non! Ils sont combien? Putnaise! Putain! Je viens de crier comme une meuf! C'est pas possible! J'ai horreur des jeux d'horreur. Il y a que Slender qui me fait pas plus peur que ça. Bon, à l'époque, il me faisait bien faire caca sur moi, maintenant plus trop. Punaise, non! Des espèces de trucs rouges qui vont me poursuivre. Bon.
On va aller par là. Je préviens, si je trouve pas la sortie, ça va être une vidéo très très courte. Il y a des briques de lait. Non, pas vraiment des briques de lait, mais bon. Plutôt des bombes nucléaires. C'est quoi ce bruit? Ah, bonjour, au revoir. Tu vas me poursuivre, c'est ça? D'accord. What? Oui, je sais, y a... D'accord, y a un pic. Vous devez le sentir dans la caméra, mais je tremble tellement j'ai peur. On va retourner dans la salle où il y avait l'espèce d'esprit. Qui ressemble à rien d'ailleurs. Il est toujours là? Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Ok, c'est bon. Ok, j'ai trouvé une clé. J'ai pas eu le temps de tout lire. Bon, en tout cas. Oh non, je vois plus rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a trouvé une clé. Bon, je suppose qu'on a plus rien à faire dans cet étage maintenant qu'on a trouvé une clé. Si on redescendait d'un étage, là où il y avait les espèces de trucs rouges qui me faisaient faire caca sur moi. Il était très intéressant cet étage. Vous trouvez pas? Moi je trouve. Bon alors. Bon déjà faut vous dire que je n'ai absolument pas peur de ce jeu. Hein? Ce jeu est tout à fait normal. C'est un jeu indépendant. Hein. Je tremble en fait pendant que je joue. Ah, c'est empty. Ok. Ouais, c'est bien, on n'a pas les espèces d'esprits rouges super stressants. Alors, est-ce qu'il faut pas monter? Et se trouve, en fait, ça se trouve, c'était une porte tout à l'heure qui me bloquait tout en haut. Je sais pas, ça a plutôt l'air d'être une texture buggée. Mais monte. Non, on peut vraiment pas passer. Non, bon. Est-ce que si je redescends plus bas, vous pensez qu'il y avait quelque chose que j'ai loupé? C'est stressant. J'essaye de chercher, voir si... S'il n'y a pas un endroit... Une porte ou un truc comme ça, sachant que l'usine n'est pas très grande en fait au final. Voilà, bon, pour l'instant. Ah là, il y a un truc derrière ça. Ok, ça a l'air d'être vide. Non, on peut pas bouger ça. Non. Ok. On est déjà à 8 minutes de vidéo, je pense que je vais m'arrêter à genre 13-15. Bon, même si là la tension est redescendue un petit peu, je reste quand même en suspens. Ouais, on va dire ça comme ça, en suspens. Alors. Excusez-moi, faut pas que j'éteigne la lumière comme ça. Y a pas une espèce de porte ou un truc comme ça.
ici c'est là où on commence, non? Ok. There's no way out. Bah c'est la seule porte qu'il y a, hein. De toute façon j'ai l'impression que... En fait, ils sont relativement glauques, hein, ces personnages. Et je crois que dans la vidéo que j'avais vue, c'était la fin du niveau quand le monstre arrivait là. Et qu'il avait trouvé la clé. Après, j'ai peut-être pas vraiment trouvé la clé, si je trouve que je me trompe tout simplement. Même si ça avait l'air plutôt clair. T'as pas un inventaire? Non. Bon. Il me semble vraiment que c'est la fin du niveau. Une salle. Continue, hein. Mais bon. Oh, attendez, 2 secondes. Voilà, excusez-moi, la porte qui s'était ouverte. Alors. Avec les courants d'air et tout ça. Il me semble vraiment que c'est la fin quand on arrive ici. Je vois pas d'autres possibilités en fait. On va remonter dans les autres niveaux. En fait, je viens de me rappeler d'un truc. Alors. Je viens de me rappeler d'un extrait que j'avais vu. Oui, parce que j'ai juste regardé quelques extraits du jeu, voir un petit peu comment il était avant de vous faire une vidéo dessus. Parce que si le jeu était moisi, je voyais pas l'intérêt de vous faire une vidéo dessus. J'ai testé un jeu moisi avant que j'ai fini en genre 2 minutes. C'était une grotte en fait et fallait trouver la sortie de la grotte parce que c'était une grotte géante. T'avais un pistolet qui tirait des flashlights en fait. Et sauf qu'on en avait plein de flashlights et j'ai pu arriver jusqu'à la fin du niveau en ayant de la lumière, donc ce qui fait que le boss de la grotte en fait n'a pas pu m'attaquer. Bon, ce qui fait que j'ai terminé le jeu en 2 minutes. C'était pas intéressant. Par contre, j'ai remarqué là, on a plus de mobs. Enfin, c'est bizarre. Est-ce que vous pensez qu'il y avait un truc dans la salle du boss tout à l'heure? Enfin, du boss de l'espèce de Pokémon noir là. Là, ça ressemble à un Pokémon. Là. Bon, bah, il y a du sang partout ici. C'est beau, ça brille, c'est tout rouge. Mais bon, on va remonter là-haut du coup. Hop là. Alors. Bon, c'est magnifique cet endroit, je sais pas ce que vous en pensez, on a des chaises, les murs sont bien peints, ouais, moi je m'installerais bien ici. Y a pas un truc avec toutes ces bombes nucléaires et ces machins? Non, je crois pas, c'est juste décoratif. Bon alors. Gardons même de lui, on pourrait s'installer là. C'est un petit. Ouais, devait y avoir un truc dans cette salle. Il me semble que le mob était là. You found the key, go to. Okay. Go to. Rof, woof. Alors, excusez-moi, le problème c'est que je ne parle pas anglais. Donc, roof, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Alors, est-ce qu'il y a un truc là-bas? C'est un petit.
semblait que c'était une connerie du genre, comme ça, un mur qui se tournait ou un truc comme ça. Bon, je sais pas. On va éviter de tourner en rond comme ça, je ne trouve pas la sortie et tout. Y a plus de monstres. Donc je pense que j'avais réussi à arriver à la fin avec la clé et tout ça. En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, laissez un petit like, pourquoi pas partager la vidéo, même commenter et me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ou si vous, vous connaissez le jeu et que vous aviez la solution. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, et ben voilà, partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Sur ce, et bien, salut à tous, c'était Oxylac. Ouais, Voilà. Allez, salut à tous.